coopérer avec Dieu. To cooperate with God. Afin que tu aies une équipe. So that you have a team. Il faut éviter de faire de l'équipe une affaire familiale. You have to avoid making the team a familial issue. Une équipe constituée de tes cousins, tes neveux, tes oncles, tes tantes. A team that is built up of your uncles, your niece, your nieces, your aunts. Il ne faut pas faire une sélection des hommes forts. You have to avoid selecting people who are strong. Selon toi. According to you. Le frère Zach disait que l'équipe n'est pas faite de gravier seulement. Brother Zach used to say that a team is not made out of gravels. L'équipe n'est pas faite de sable seulement. A team is not only made up of sand. Ou de fer. Or iron. C'est un mélange de ciment, de fer, de gravier, de sable. It is a mixture. Même l'eau. It is a mixture of gravel, sand, cement, and we add water. Tu dois, avec tous les éléments que Dieu t'a donnés, former un groupe solide. With all the elements God have given you, you need to form a solid team. Il faut éviter de t'entourer des hommes qui ne peuvent pas te critiquer. You have to avoid being surrounded by people who cannot criticize you. Et même si quelqu'un te critique, tu laisses, tu ne le chasses pas de l'équipe. And even if someone criticizes you, you leave him. You don't cast him out of the team. Il est utile. He is useful. Tu penses qu'il ne t'aime pas, c'est vrai, mais il est utile. You think he doesn't love you, it's true, but he is useful. Et le frère Zach disait que Wachmann a écrit qu'on ne garde pas le rebelle hors des rangs. Brother Zach said that Wachmann wrote that you don't keep the rebel out of the ranks. Il est utile. He is useful. Tu pries pour lui. You pray for him. Il sera transformé. He will be transformed. Il n'y a pas de fatalité. There's no fatality. Et il enseigne qu'il faut que le dirigeant soit capable de faire traverser des crises aux individus. And he taught that the leader needs to be able to make the team to go through crises. Si tu manques de cette capacité, if you lack that ability, tu verras des gens qui viennent et qui partent, gens qui viennent et qui partent, gens qui viennent et qui partent. You have people who come and go and so forth. Ça peut être un jeune homme qui a des problèmes de mariage. It can be a young man who has issues with marriage. Il faut l'aider. You need to help him. Gérer ses émotions. To manage his emotions. Et à trouver son conjoint ou sa conjointe. And to find his spouse. Si tu rates, if you fail, il n'y aura pas de stabilité autour de toi. There will be no stability around you. Et quand tu as une équipe, and when you have a team, il ne faut pas laisser les éléments qui sont autour de toi. Don't neglect the elements who are surrounding you. Pour aller solliciter le conseil dans la foule. To go and ask for advice in the crowd. Si tu le fais, tu as échoué. If you do it, you have failed. Tes conseillers sont autour de toi. Your advisors are the ones surrounding you. Si tu vas en bas, if you go to the end, down on the crowd, tu laisses le sommet, tu descends. You allow the peak, you go down. Que c'est là-bas qu'on te connaît, qu'on te maîtrise. That's where they know you, they master you. Tu vas échouer. You will fail. Et il disait, and he said, on ne nomme pas les gens. You don't nominate people. On les laisse émerger. You allow them to emerge. On les laisse émerger. You allow them to emerge. Et on les identifie. And you identify them. Ne fabrique pas de héros. Don't make up heroes. On ne fabrique pas les héros. You don't make up heroes. Ça va créer des difficultés. It will create difficulties. Le héros fabriqué peut devenir un instrument très jaloux. A fabricated hero can become a very jealous element. Parce que quand tu fabriques quelqu'un, because when you fabricate someone, et qu'il n'arrive pas à atteindre tes objectifs, and he is not able to reach your objectives, le héros truqué va passer le temps à combattre les vrais vaillants. The hero that has been fabricated will spend the time fighting against true mighty men. Et toi-même, and you yourself, travaille pour ne pas être un géant aux pieds d'argile. Walk, not to be a giant with agile legs, clay legs. Si tu occupes une position qui appartient au héros, sois héros. If you are occupying a position which belongs to hero, be a hero. Sinon, tu vas embarrasser le dirigeant. If not, you are going to embarrass the leader. Il ne saura plus comment te gérer. He will not know how to manage you. Tu es grand, sois grand. You are big, be big. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu es vaillant, sois vaillant. You are mighty, be mighty. Ou alors on dit que tu es vaillant, sois vaillant. Or it has been said of you that you are mighty, be mighty. On sait que tu es vaillant, donc sois vaillant. We know that you are mighty, be mighty. Notez ça très bien. Note this very well. Les héros truqués, fabricated heroes, sont des instruments de conflit, de jalousie, parce qu'ils sont amers. Are bitter instruments full of jealousy and conflict. Ils souhaitent l'échec des vrais vaillants. They desire the failure of real mighty men. Et ils passent beaucoup de temps à protéger le poste truqué, le poste fabriqué. They spend all their time protecting the post that has been fabricated. Nous sommes dans une œuvre qui fait facilement confiance aux ministres, aux gens. We are in a work, in a ministry where we easily have confidence in others. On te confie une personne. We give you someone. Et tu diriges la personne. And you lead the person. Et on ne te contrôle pas. And you are not being controlled. Donc fais attention. So be careful. On te confie une assemblée. They give you an assembly. On te donne une équipe. They give you a team. On ne te contrôle pas. And no one is controlling you. Tu peux les maltraiter. You can maltreat them. Au nom de l'amour fraternel, ils ne vont même pas aller dire à quelqu'un. And they will not even go and complain. Tu es en danger. You are in danger. Parce qu'il y a le juge suprême. Because there is the supreme judge, le vrai maître des bergers, the true master, qui te regarde, and he's watching, et qui recueille les larmes de chaque enfant qui pleure, and he picks up the tears of every child who cries. L'apôtre Paul disait que l'autorité que nous avons reçue n'est pas pour vous détruire, mais c'est pour vous édifier. Apostle Paul used to say that the authority we have received is not to destroy you, but to edify you. Ta position, your position, c'est pour élever les enfants que Dieu t'a donnés. Is to lift up the children that God has given you. Si tu diriges même une seule personne, if you are a leader of only one person, tu es sous l'œil de Dieu. You are under the eyes of God. C'est lui qui pouvait dire, ne faites pas de mal à mes prophètes. The one who could say, don't harm my prophet. Ne touchez pas à mes oies. Don't touch my anointed. Il n'a pas changé. He has not changed. C'est lui qui a dit à Paul, il s'appelait encore Saul. The one who said to Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Why are you persecuting me? Et Paul lui demande, qui es-tu, Seigneur? And Paul answered, who are you, Lord? Il dit, je suis Jésus. I am Jesus. Que tu persécutes. That you are persecuting. Frère. Brother. Tu es en train de persécuter Jésus. You are persecuting Jesus. Les efforts que tu fais, the efforts you do, pour rabaisser quelqu'un, to bring down someone, sont un crime. It is a crime. Tu dois élever les gens. You have to lift up people. Tu dois fortifier les mains des gens. You have to strengthen their hands. Tu dois donner des conseils pour faire avancer l'œuvre. You have to give advice to let the ministry move on. Tu dois exprimer la reconnaissance. You have to express gratitude. Tu dois leur dire merci. You have to thank them. Ils ne sont pas tes esclaves. They are not your slaves. Ils sont des enfants de Dieu. They are children of God. Si les dirigeants deviennent mauvais, if leaders become evil, il y aura beaucoup de souffrance. There will be a lot of suffering. Si tu diriges mal, If you lead wrongly, les enfants ne vont pas grandir. Children will not grow. Lis pour nous Galates 4, verset 19. Read for us Galatians 1, 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you. Amen. Tu dois prier. You have to pray. Pour que les hommes, les enfants que Dieu t'a donnés grandissent dans la foi. So that men, the children God has given you, grow in faith. Mes enfants. My children. Ce sont tes enfants. They are your children. C'est ton enfant. It is your child. Pour ceux qui ont lu le livre, le berger, le troupeau. For those who read the book, The Shepherd and the Flock. Le frère Zach l'a écrit. Il n'a même pas écrit. Il l'a enseigné. Brother Zach taught. C'était des enseignements donnés à l'église de Yaoundé pour la préparer à gérer 250 églises et maisons. They were teaching were given to the church of Yaoundé to prepare them to manage assemblies of 250 assemblies. Quand tu vois comment Dieu envoie les âmes, when you see how God brings souls, il y a quelque part une inquiétude. There is somewhere a worry. Les qui vont diriger ces âmes qui arrivent? Are going to lead those souls who are coming. Quels sont les bergers? Who are the shepherds? Qui seront appelés à conduire ses frères au bonheur? Who are going to be called to lead these brethren to happiness? Au repos. To rest. Au succès. To success. À la victoire dans les batailles. In victory in battles. Nous devons nous poser la même question maintenant. We need to ask ourselves the same question right now. Est-ce qu'il y a dans cette ville? Is there in this town? Des gens qui peuvent diriger une bénédiction, un troupeau que Dieu leur donne. People who can lead a flock that God has given them. Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes? Are there men and women? Chacun devrait travailler pour se qualifier, pour être agréable à Dieu. Each one needs to work to qualify himself to be pleasant unto the Lord. Parce que quand cette foule arrive, because when that crowd is going to come, le Seigneur la répartit entre nous. The Lord is going to distribute them amongst us. Est-ce que tu es bon? Are you good? Est-ce que tu peux dire, mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous? Can you say, my children for whom I labor childbirth until Christ is formed in you? Entrer en croisade ou en campagne. To enter into a campaign or a crusade. Il faut que chacun entre en campagne. Each one needs to go on the campaign. Une campagne de bénédiction. A campaign of blessing. Où tu poses des actes pour bénir tous ceux qui sont avec toi. Where you're going to pause action to bless those who are with you. Une vraie campagne. A true campaign. Afin qu'il y ait des cris de joie partout, que les brebis sont heureuses. So that there will be shouts of joy everywhere, that the sheep are happy. Qu'on trouve des dirigeants qui peuvent aller demander pardon aux brebis. Let it be found leaders who can go and ask for forgiveness to the flock. En disant, j'ai raté telle chose dans ta vie, pardonne-moi. Saying, I missed this thing in your life, forgive me. Il ne faut pas faire comme si on est fort. Don't make as if you're too strong. Si tu prétends, même la brebis sait que tu prétends. If you're pretending, even the flock knows that you're pretending. Si tu portes un masque, if you carry a mask, pour paraître, to be who you are not, la brebis sait que tu ne l'aimes pas, que c'est un masque. The flock know you don't love them, that it is a mask. Et tu n'iras pas loin. And you will not go far. Quand les gens sont face à un masque, ils refusent de suivre. When people are facing a mask, when they have to deal with a mask, they refuse to follow. Les gens aiment la vérité. People love truth. Entre en campagne. Enter into a campaign. Va restaurer Go and restore cette personne que tu as classée. That person you have kept aside. Parce que tu ne veux pas de contestation du tout. Because you don't want anyone to contest you. Tu veux les bénir, oui, 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 oui. You want only people who are going to say yes, 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 yes. Tu appelles, oui, tu es là, oui, c'est bon, oui, c'est mauvais, oui, oui. You call, yes, are you there, yes, is it good, yes, is it bad, yes. Et tu dis, tu es vaillant. You say you are a mighty man. Quand je parle, tu dis oui. When I speak, you say yes. Et après? Then after. Pas de suite. No follow-up. Va restaurer. Go and restore. Ce vaillant héros. That mighty hero. Que tu veux tuer par manque de sagesse. That you want to kill because of lack of wisdom. Va le chercher. Go and look for him. Il peut apporter l'équilibre dans ton équipe. He can bring stability to your team. Peut-être c'est lui le gravier. Maybe he's the gravel. Ou bien c'est lui le ciment. Or maybe he's the cement. Ou bien c'est lui le fer. Or he's the iron. Mais personne ne peut être ciment, fer, gravier, sable, l'eau à la fois. No one can be sand, gravel, cement, water at the same time. Va chercher ton faiseur de disciples. Go and look for your disciple maker. Que tu as fui. That you ran away from. Parce qu'il te traite durement. Because he's treating you hardly. Et il y a de nouvelles âmes dans la salle. And we have new souls in the hall. Ici, yeah, on fait des disciples. We make disciples. On enseigne aux gens comment devenir des serviteurs de Dieu sans aller à l'école biblique. We teach people how to be servants of God without going to Bible school. On appelle ça formation des disciples. We call it discipleship. C'est de cette école-là que je suis sorti. That is from that school I came from. Je prêchais quelque part. I was preaching somewhere. Quelqu'un était très touché. And someone was very touched. Il a levé la main. And he lifted up his hand. Je lui ai donné la parole. And I gave him the floor. Il a dit, pasteur. He said, pastor. Dis-nous la vérité. Tell us the truth. Est-ce que tu étais à l'école biblique? Have you gone to Bible school? J'ai dit non. I said no. Il dit ça, c'est pas possible. He said it's not possible. Il dit qu'on a payé les billets, on paye pour aller apprendre les choses, on n'a jamais appris ça. We used to pay to go and learn things, we have never learned what we are hearing. C'est ce qui t'attend. That is what is waiting for you. Tu vas connaître les voies de Dieu. You will know the ways of God. Tu vas connaître la parole de Dieu. You will know the word of God. Tu vas connaître comment on sert Dieu. You will know how to serve God. Quand les gens vont à l'école biblique là, c'est les nous là qui enseignons là-bas. When people go to Bible school, we are the one who teach them. Donc tu auras ces enseignements là chez toi. You will have this teaching here and in your house. En faisant ton travail. By doing your work. Si tu es médecin, tu es médecin et on te bâtit. If you are a medical doctor, you are a doctor and we build you up. Ailleurs, on va te dire de démissionner. Somewhere else, they will tell you, please leave your job. Dieu nous a montré comment être bâti en lui en travaillant. God has shown us how to be built up in him and working. J'ai cru quand j'étais au lycée. I believed when I was in secondary school. On nous enseignait à aller à l'école, à étudier sans tricher et aller à la prière, aux enseignements. We were taught how to go to school and how to learn without cheating and to go for prayers meeting. Depuis que j'ai cru, and ever since I believed, je n'avais plus jamais triché. I've never cheated in class. Et Dieu était avec moi. And God was with me. Il y a eu une période où j'ai géré le budget. There was a period where I had to manage my budget. En tant que chef service régional, as the chief of the regional service, je l'ai géré avec des mains pures. I managed that budget with pure hands. Sans détournement. Without taking the money. Un entrepreneur est venu me dire un jour, tu ne vois pas, voici ce que nous faisons avec tes collègues. An entrepreneur told me, this is what we do with your colleague. Si ce meuble coûte 150 000, on ajoute quelque chose dessus, bon, c'est avec ça, on se partage, on se partage. If this is 150, we add something and we share it among ourselves. En réalité, je ne savais pas que de pareilles choses existaient. In reality, I wasn't aware of those type of things. C'est ce jour-là que j'ai compris ce qu'on appelle surfacturation. It is from that day that I knew what was called surtaxing. Après, je lui ai dit que moi, je suis un enfant de Dieu. But I told them I am a child of God. Je ne fais pas ça. I don't do that. Jésus-Christ. Et il est parti. And he went. Donc, tu vas te laisser. Tu vas te laisser. On va te bâtir. You're going to give yourself to be built up. Si tu as besoin de délivrance, elle te sera accordée gratuitement. If you need deliverance, you're going to have it freely. Il y a une dame qui m'a trouvé un jour dans mon bureau. There's a soul who came and met me one day in my office. Elle me dit, she said, quand une prophétesse lui a pris 300 000 francs pour briser ses liens. That a prophetess took 300,000 francs from her to break her evil ties. Tes liens seront brisés ici gratuitement. Your evil ties will be broken here freely. Un autre jeune homme est venu et me dit que je suis allé quelque part avec ma fiancée. On nous a pris chacun 45 000 francs pour briser les liens. A young man came and told me I went somewhere with my fiance and they took from us 45,000 each to break our ties. Après, ils ont demandé 22 500 pour consolider. Then after that, they asked 22 500 chacun. 22,500 each one to consolidate the work. Je ne dis pas qu'on dit que quelqu'un avait dit que je dis deux jeunes gens devant moi. Il dit c'est nous là, nous sommes partis. I am not reporting what someone said. It was in front of me. They said we are the ones. We went there. Et le livre sur le brisement des liens, c'est moi qui l'ai écrit. And the book on breaking of evil ties, I am the one who wrote it. Nous pouvons prier pour toi gratuitement. We can pray for you freely. Et si tu grandis bien, and if you grow up well, un jour tu vas te retrouver en train de prêcher comme je prêche là. And one day you find yourself preaching like I am preaching. C'est ça qu'on appelle la formation des disciples. This is what is called discipleship. C'est-à-dire chaque individu, dès que tu crois, meaning each individual, as soon as you believe, tu as droit à une formation pour devenir mûr en Christ. You have a training that will make you to be mature in Christ. Et quand on est mûr en Christ, and when we are matured in Christ, il y a l'éclosion des dons spirituels. We have explosion of spiritual gifts. C'est là où tu discernes les dons que Dieu t'a donnés. That's when you know how to discern the gifts God has given you. Parce qu'ils vont se manifester. Because they are going to be manifest. Donc, viens. Come. Et reste. And stay. Et apprends et agis. Learn and act. Ne sois pas un spectateur passif que je regarde encore. Non, Dieu aime ceux qui ont la foi. Don't be a passive spectator. I'm looking again. No, God loves those who have faith. Et Dieu aime ceux qui ont le discernement naturel. And God loves people who have natural discernment. Parce que le don de discernement de mauvais esprits. Because you have the gift of discerning evil spirits. Et il y a le don, il y a le discernement naturel. And you have natural discernment. Tu regardes le ciel, tu peux savoir qu'il va pleuvoir. You can look at the heaven and you will know it's going to rain. C'est ça qu'on appelle discernement naturel. That's what is called natural discernment. Tu peux entrer dans un milieu. You can enter into a place. Tu discernes que ces gens sont sérieux. You discern that these people are serious. Et tu prends aussi des dispositions pour être comme eux. And you take dispositions to be like them. Alléluia. Praise the Lord. Donc l'équipe a besoin de beaucoup d'amour pour exister. So the team needs a lot of love to resist. L'amour les uns des autres. Love from one another. La soumission des uns aux autres. Submission one to another. Lis pour nous Éphésiens chapitre 5. Ephesians chapter 5. Lis le verset 21. Verse 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Submit to one another out of reverence for Christ. Amen. Écoutez ça très bien. Listen carefully. Dans le corps de Christ, in the body of Christ, et puisque nous parlons d'équipe, dans une équipe, in a team, les gens se soumettent les uns aux autres. People submit one to another. Pas parce qu'ils sont faibles. Not because they are weak. Pas parce qu'ils sont des idiots. Not because they are idiots. Parce qu'ils craignent Jésus. Because they fear Jesus. Écoutez, je viens comme ça. I come this way. Je m'appelle Meyer Boniface. I say my name is Tadzon Loret. On a réunion demain à 18h. We have a teaching tomorrow at 6 p.m. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Et toi aussi tu te lèves, tu dis le pasteur a dit qu'on a réunion demain à 18h. And you stand up and you say the pastor said we have a meeting tomorrow at 6 p.m. Je ne t'ai pas demandé est-ce que tu as le temps. I have not even asked you whether you have time. Et si je demandais à chacun s'il a le temps. And if I have to ask each one, do you have time? Nous sommes ici plus de 1000. Comment on va faire? We are here more than 1,000. How are we going to do? Quand tu acceptes when you accept ce que j'ai suggéré, what I've suggested, sans te consulter, without consulting yourself, ce n'est pas parce que tu es faible. It's not because you are weak. Lis encore verset 21. Read verse 21. Éphésiens chapitre 5, le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres. Les uns aux autres. To one another. Dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. In the fear of Christ. C'est à cause de Christ. It is because of Christ. Que tu dois accepter ça. That you must accept this. Pour que l'ordre règne. So that order must be maintained. Que Christ soit glorifié. So that Christ be glorified. La crainte de Christ. The fear of Christ. Tu suis quelqu'un. You follow someone. Écoutez. Listen. Il y a des gens qui enseignent. Some people teach. Qu'on ne doit pas suivre un homme. That you shouldn't follow a man. C'est une fausseté. It is false. Tous ceux qui enseignent comme ça sont des hypocrites. All those who teach that kind of things are hypocrites. Lis pour nous 1 Jean. Read for us 1 John. Chapitre 1. Chapter 1. Lis à partir du verset 1. From verse 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The life appeared. We have seen it and testify to it. And we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Amen. Écoutez. Listen. Je vous ai dit. I told you. Pas de masque. No mask. Tu dois dire la vérité. You have to speak the truth. L'apôtre dit. The apostle says. Ce que nous avons vu. What we have seen. Et entendu. And heard. Nous vous l'annonçons à vous aussi. We announce it to you also. Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. so that you will be in fellowship with us. Nous vous annonçons we announce it to les choses you, que nous avons vues, the things we have seen, et les choses que nous avons entendues, the things we have heard, afin que vous vous joigniez à nous, so that you can join us. Pas d'hypocrisie. No hypocrisy. On ne te trompe pas que viens seulement, on va prier un peu. We are not deceiving you that come, we are going to pray little, little. Viens. They say, come. On va servir Dieu. We are going to serve the Lord. Viens. Come. On va servir Dieu. We are going to serve the Lord. Tout ce que nous avons vu, everything we have seen, tout ce que nous faisons en chantant, en criant, everything we do, singing and shouting, tout cela a pour but d'amener les autres à nous rejoindre. The goal of all these things is to bring you to join us. Pas de mensonge. No lying. On ne dit pas viens, 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 on va voir, viens, on va voir. We're not telling you come, we are going to see, come, come. Dès le premier jour, from the very first nous vous rendons ce témoignage, we give you this testimony, afin que vous soyez en communion avec nous, so that you might be in fellowship nous. With us. Avec nous. With us. Et quelqu'un te dit on ne suit pas l'homme. And someone is going to tell you, you don't follow a man. C'est faux. It is false. C'est une autre manière de te tromper en disant suis-moi. It is a way of deceiving you by telling you follow me. Il veut te dire suis-moi. He wants to tell you follow me. Mais il n'est pas vrai, il n'est pas courageux. But he's not true, he's not courageous. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frères bien-aimés, suis-moi, suivez-moi, suivez-moi. Beloved brethren, follow me. Venez, on va conquérir la nation pour Jésus. We are going to conquer the nation for Jesus. Jésus. Si tu viens avec nous, if you come with us, tu entres dans l'armée de Jésus. You are entering the army of God. Quelqu'un lise pour nous 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothy 2 verset 1 à 3. 2 Timothy 2 verse 1 to 3. Toi donc mon enfant, toi donc mon enfant, you then my child, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Be strong in the grace that is in Jesus Christ. Et ce que tu as entendu de moi, et ce que tu as entendu de moi, and the things you have heard from me, en présence de beaucoup de témoins, en présence de beaucoup de témoins, in the presence of many witnesses, confie-le à des hommes fidèles, confie-le à des hommes fidèles, transmit it to faithful men, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, who be able to teach it to others. Souffre avec moi, dis encore. Suffer with me. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Suffer with me. Comme un bon... Non, lis encore, ne sois pas pressé. Read it again. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Ça c'est le langage des hommes vrais. This is the language of true men. Ne suis pas les hypocrites. Don't follow those who are hypocrites. Suis quelqu'un qui te dit souffre avec moi. Follow someone who's going to dès le début. Suffer with me from the beginning. Il te dit nous avons une œuvre à accomplir. He will tell you we have a work to conquer. Ne suis pas quelqu'un qui te dit on ne suit pas un homme, mais chaque jour il te téléphone. Tu es où? Chaque jour, tu es où? Don't follow someone who's going to tell you don't follow a man and every day he's calling. Where are you? Après ça devient tes offrandes là, tes dîmes là, donne-moi. Then after that, give me your tithes and offering. Suis quelqu'un. Follow someone qui te dit who is going to tell je m'appelle un tel. I am called this. J'ai cru en Jésus telle année. I believed in the Lord in this year. J'ai abandonné tel et tel et tel et tel péché. I forsook this. Et on m'a baptisé. And I was baptized. Et on m'a délivré. And I was delivered. Je suis passé par les processus de délivrance au niveau humain. C'est ce qu'on devait faire humainement, j'ai fait. I went through human processes of deliverance, all that which I needed to do. Suis-moi. Follow me. Si tu suis une telle personne, if you follow such a person, les portes du ciel te sont largement ouvertes. The gates of heaven are widely open to you. Si tu suis un menteur, if you follow a liar, qui veut t'enlever, who wants to snatch you, pour t'assujettir, to subject you, tu vas regretter. You're going to regret. Que 3 personnes prient. Let 3 people pray. Pour la vérité, pour les corps de la vérité. Nous prions, Seigneur, de nous inscrire à l'école de la vérité. La vérité nous est imposée en tant que disciples de Christ. Le mensonge est interdit. Le masque doit tomber. Oh Seigneur, nous prions que la vérité soit dite dans nos discours, dans nos comportements. Oh Seigneur, nous prions que l'équipe à laquelle nous sommes appelés à bâtir, Seigneur, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons. Oh Seigneur, que la vérité soit prêchée, que nous ne nommons pas les gens, que nous ne voyons pas le potentiel des gens à cause des intérêts, que nous annonçons ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, que nous annoncions la parole de Dieu, cette doctrine sainte, des hommes que Dieu nous donne, une équipe, des personnes que Dieu nous a confiées, les bâtir en leur montrant là où nous allons. Saisis-toi de moi dans ce sens, en leur montrant le chemin de la souffrance, à quoi nous nous attendons, en ne rien cacher, en ne masquant rien. Oh Seigneur, viens à mon secours et saisis-toi de chacun d'entre nous, s'il te plaît, pour que ce message soit vécu et prêché par nos vies, par nos paroles. Au nom de Jésus-Christ, amen. Père, nous te bénissons, ô Éternel, pour ta parole qui vient nous affranchir, nous guérir et nous instruire, nous corriger, Seigneur. Père, que ça soit en tant qu'étudiant, Père, je suis en train d'entendre. Mes yeux ont vu, tu m'as fait la grâce d'être parmi, Seigneur, les fidèles à qui tu peux confier, Seigneur, ces choses. Merci beaucoup de m'instruire, d'avoir le courage. Père, je sois de toi, Seigneur, cette capacité, ce courage pour aller confier aux autres. Merci pour les critères. Oh Seigneur, pour bâtir, pour former une équipe. Père, merci de me délivrer de toute hypocrisie. Merci de me délivrer de tout évangile bonbon, Seigneur. Merci, Seigneur, de me délivrer. Oh Éternel, dès le départ, le plan de la maturation doit être étalé, déroulé. Oh Éternel, merci beaucoup, Seigneur. Merci et je me répands. Merci de compléter, Seigneur, cet aspect, Seigneur, de la souffrance dans le service pour Dieu. Je me repens, Seigneur, de l'avoir mis, Seigneur, de côté dans le passé. Présenter la facilité, ô Éternel, ça fait partie intégrante. Viens et souffle avec moi, viens et souffle avec moi. Viens, il va pleuvoir sur nous. Viens, nous allons marcher à pied pour prêcher. Viens, nous allons jeûner ensemble. Viens, nous allons marcher sans manger. Ça fait partie, Seigneur. Ça fait partie. Merci beaucoup parce que même pour faire les disciples, maintenant les choses seront claires pour moi, Seigneur. Ça sera détalé. Ça sera comme une marchandise placée sur la table. Si tu veux, achète, tu achètes. Et ensemble, de commun accord, je pourrais marcher avec mes frères. Sans hypocrisie, sans mensonge. Personne maintenant ne sera dans l'équipe étonné de ce qui va arriver demain, Seigneur, parce qu'il sera déjà au courant dès le départ. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette instruction. Je garde ça dans mon cœur. Je garde ça dans mon cœur. Et Père, je prie que ça m'accompagne, que ça m'affecte. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Père, nous continuons de te bénir. Tu nous as déjà appelés à toi. Tu veux que nous coopérons avec toi pour que nous ayons une suite que nous allons soumettre à ta Seigneurie. Tu nous demandes d'être seulement vrais. Tu nous demandes d'être transparents. Tu nous demandes de ne pas porter de masque parce que ce qu'un homme sème, il le récolte tôt ou tard. Seigneur notre Père, le maître de la moisson qui est Jésus, quand beaucoup de disciples l'avaient quitté et qu'il est resté les 12, il leur a dit, tous sont partis et vous. Pierre a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Ma responsabilité, c'est d'avoir la vie de Dieu en moi et de marcher dans la lumière. Et nécessairement, je vais avoir une équipe. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun de nous, à moi et à mes frères ici présents, de travailler de sorte à ne pas être seuls, mais d'investir leur vie en coopérant avec toi, afin de pouvoir avoir une équipe pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus. Amen. L'engagement de suivre quelqu'un est une marque de la foi. It is a mark of faith. Jésus a dit, Jesus said, si quelqu'un vous écoute, if someone listens to you, il m'écoute. He's listening to me. Jésus n'est pas là physiquement. Jesus is not here physically. Mais quand tu entends la parole de Dieu, but when you listen to the word of God, quand tu es sollicité, when you are solicited, tu obéis parce que tu crois en Jésus-Christ. You obey because you believe in Jesus. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais regretter d'avoir suivi quelqu'un, même si la personne n'est pas reconnaissante. That is why you should never regret for having followed someone who is ungrateful. En tout cas, un dirigeant sage, a wise leader, ou qui apprend à l'être, or who is learning how to be wise, c'est que tout ce qui lui arrive, knows that everything that happens to him, c'est au nom de Jésus. It is in the name of Jesus. Si quelqu'un obéit, if someone obeys, il ne doit jamais oublier. He will never forget. He should never forget. Que c'est à cause du nom de Jésus. That it is because of the name of Jesus. Si tu gardes ça dans ton esprit, if you keep this in your spirit, il te sera impossible d'être orgueilleux. It will be impossible for you to be proud. Impossible. Impossible. Et tu seras ingrat. And you will be ungrateful. Quand tu sais que c'est Jésus, when you know that it is Jesus, que c'est à cause de Jésus, that it is because of Jesus, que c'est la crainte de Jésus répandue dans les cœurs, that it is because of the fear of Jesus in the hearts, tu vas te répandre chaque jour en action de grâce. Every day you're going to see it as thanksgiving. Chaque jour. Every day. Tu sauras aussi te repentir quand tu as raté. You will know how to repent when you have failed. Et l'équipe va grandir. And the team is going to grow. Parce que les gens vont se former autour de chaque membre, comme ils se sont formés autour de toi. Because people are going to be formed around each member the way they were trained around you. Ça devient comme les grappes. It becomes like grapes. Or avec plein de fruits. With many fruits. S'ils sont 10 autour de toi, if there are 10 around you, et que autour de chacun des 10, il y a encore 10 autres, and that around each one of the 10, there are 10 others, ainsi de suite, and so forth and so on. Ça garantit la multiplication. This will assure multiplication. Et ça garantit la croissance en and nombre. This will assure growth in number. Et en qualité. And in quality. Ne regrette rien. Never regret. Comme quelqu'un a prié avec insistance. Like someone pray with insistence. Retourne. Go back. Te tenir avec ton faiseur de disciples. And stand with your disciple maker. Ou avec les membres de ton équipe. Or with the members of your team. Retourne. Go back. Pardonne et retourne. Forgive and go back. Dans la crainte de Christ. In the fear of Christ. Tout ça, c'est dans la crainte de Christ. Everything is done in the fear of Christ. Les autres, the others, ils sont des hypocrites. They are hypocrites. Ils disent, on ne paye pas la dîme. They say you don't pay tithes. Après, then after, un a dit à une fille dans un pays en Europe, one said to a young girl in a European country, Dieu dit, God says, va vider ton compte, il va le remplir. That go and empty your account and he's going to fill it back. La jeune dame est partie vider son compte. And the young girl went and emptied her account. Elle lui a donné. And gave it to the man. Plusieurs mois après, Dieu n'avait pas encore rempli. And months later, God had not yet filled the account. Je suis au courant de l'histoire parce que c'est arrivé au niveau où la jeune fille plairait déjà que Dieu n'a pas encore rempli le compte. I know the story because it got to a level where the young girl was crying that God has not yet filled the account. Si tu dis aux gens, payez vos dîmes, que Dieu a dit de payer la dîme. If you tell people, pay your tithe because God said so. Et les offrandes. And your offerings. Ils vont le faire fidèlement dans la crainte de Dieu. They will do it faithfully in the fear of God. Tu n'auras pas besoin de mensonges pour dire que Dieu dit. You will not need to lie by saying that God va says, vider ton compte. Go and empty your account. Je vais le remplir. And I'm going to fill it back. Et les gens manquent de discernement. And people lack discernment. Je te bénis aujourd'hui. I bless you today. On ne pourra plus jamais te tromper. They will never deceive you again. Dans ce domaine-là. In this domain. Si tu m'as entendu ce soir, tu es béni. If you heard me this evening, you are blessed. Acclamez si vous voulez acclamer pour Jésus. Clap if you want to clap for Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez, si vous voulez acclamer, souvent acclamer pour Jésus, parce que. Listen, if you want to clap, clap. Le frère Zach, écoutez d'abord. Listen first. Listen first. J'ai étudié le frère Zach. I studied Brother Zach. Il aimait cette affaire d'offrande, d'action de grâce. He loved this issue of offering of thanksgiving. Il disait, tenez-vous debout, nous allons offrir au Seigneur une offrande d'action de grâce. Et puis c'était sérieux. And he used to say, stand up and we are going to give the Lord a clap offering. And he was serious. Sentez-vous libre d'acclamer pour Dieu. Feel free to clap for Jesus. Spontanément, pas comme les politiciens. Spontaneously. Not like politicians. Les politiciens disent demain acclamez à 9h pile, demain que personne ne ment, demain on va acclamer nous tous. Mais les élus acclament spontanément. But people clap spontaneously. Alléluia. Praise the Lord. Offrande d'acclamation maintenant. Clap offering. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Quand ça atteint un niveau, on arrête. Pourquoi? When it gets to a level, we stop. Why? Il y a des ministres de réveil, comme les Finney. Because you have ministers of revival, même like Finney. Même le frère Zach. Even Brother Zach. Il n'aime pas l'excitation. He didn't like citations. L'excitation peut conduire à la dépression. À la dépression. Proverbs sometimes lead to depression. Les bruits, on tape les bang bang pour provoquer la chair. Il ne faut pas ça. Noise. Écoutez ça très bien. Vous avez remarqué que j'aime dire arrêtons et restons calmes. Noise lead to depression, and you will notice that I used to say, let's stop and remain quiet. Parce que il faut gérer l'intérieur de l'homme. Because you need to manage the interior of man. Sans corruption, sans astuce. Without corruption. Dans les églises où on trompe les gens. In churches where people are being deceived. Les bruits sont au programme. Noise is at the program. On tape les trucs, on crie et le Yonggi Cho dit dans son livre qu'il était dans l'un de ses livres, il était quelque part. Yonggi Cho says in his book that he was somewhere. Les gens chantaient, criaient, people were singing and shouting. Et quelqu'un venait lui dire. And someone was coming to tell him. Que le message ne dépasse pas 15 minutes. That the message should not be above 15 minutes. Et la personne rentrait. And the person was going back. Pendant qu'on les bruits, la personne. And while there was noise. Pas plus de 15 minutes. The person said no more than 15 minutes. Et après, la personne revient pour se rassurer, répéter. Et il était choqué. And he was shocked. Que Dieu, la parole à 15 minutes et puis tous les bruits, pour exciter les gens. Has 15 minutes and all this noise to excite people. Donc, moi-même, je me suis inscrit à cette école-là, pas d'excitation. Me too, I am in that school. No excitement. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si les gens doivent parler en langue, ils doivent parler par la puissance du Saint-Esprit, pas par la puissance de l'excitation. If people need to speak in tongues, it has to be done by the power of the Holy Spirit, not by the power of excitement. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, quand ça atteint le niveau normal, so when it gets to the normal level, un peuple discipliné, a disciple people, on dit amen. We say amen. Alléluia. Praise the Lord. Sinon, certains vont commencer à dire, Seigneur, prends-moi au ciel maintenant. If not, some people start saying, Lord, take me to heaven now. Alléluia. Beaucoup de problèmes sur la terre. A lot of problems on the earth. La parole dit, the word says, le zèle qu'ils ont là, the zeal they have, ce qu'ils veulent vous séparer de nous. Is that they want to separate you from us. Ils veulent que vous soyez zélés pour eux. They want you to be zealous for them. Les gens qui disent on ne suit pas l'homme. People who say you don't follow man. Ils veulent voler les hommes qui sont derrière les vaillants. They are coming to steal men who are behind mighty men. Ils disent qu'on ne paie pas la dîme. They say you don't pay tithe. Mais ils ont des astuces pour voler même. They have ways to steal. Il y a une sœur qui était dans l'église. There's a sister who was in the church. Elle va chez son grand frère un jour. And she went to see her elder brother one day. Elle trouve que la maison est vide. Il n'y a pas de fauteuil, pas de télévision, rien. And she sees that the house is empty. No sofa, no blinds, nothing. Elle demande à son frère, c'est comment? She asks her brother, what happened? Elle dit que les hommes de Dieu sont venus dire que Dieu veut tous les objets de valeur. The brother said, men of God came and said, God needs all the valuable things. Je vous ai dit que nous on bâtit les disciples. I told you that we build up disciples. La sœur a dit non, ça c'est faux. The sister said, no, it is wrong. Dieu n'a rien dit, allons. God never said so. Let's go. Ils ont pris un bâcher. They took a pickup. Ils sont partis. They went. La sœur dit, c'est faux. Remettez tout ça. The sister said, it is fake. Give elle us a tout ramassé. Everything. She picked up everything. Elle a mis dans le pick-up. She put it in the pick-up. Ils sont rentrés à la maison. And they went back home. Elle a délivré son frère. She delivered her brother. Mais moi je vous dis. But I tell you. Viens. Come. Souffre avec nous. Suffer with me. Comme un bon soldat. Like a good soldier. Si tu as quelque chose. If you have something, mets dedans. Give it. C'est un pèlerinage. It is a pilgrimage. Nous sommes des amis. We are friends. Nous avons les mêmes cantiques. We have the same hymns. Nous évoquons le même nom. We are calling upon the same name. Le nom de Jésus-Christ. The name of Jesus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Tenons-nous debout. Let's be on our feet. Dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Tell the Lord, give me wisdom. Pour garder les hommes que tu m'as donnés. To keep the men you have given me. Si tu es un jeune converti, tu ne comprends rien. If dis à Jésus, je veux être membre d'une équipe. Tell the Lord, I want to be a member of a team. Je veux être disciple, c'est par là que ça commence. I want to be a disciple, that's the starting point. Dis Seigneur. Say Lord. Consolide toutes les équipes. Consolidate all the team. Qu'il y ait des réconciliations partout. Let there be reconciliations everywhere. Qu'il y ait des restaurations partout. Let there be restorations everywhere. Dans la crainte de Christ. In the fear of Christ. Dans la crainte de Christ. In the fear of Christ. Que le démon ne trompe personne. Let demons don't deceive anyone. Dis Satan. Say Satan. Nous te chassons. We cast you out. Nous n'allons pas t'écouter. We are not going to listen to you. Nous allons obéir à Jésus. We are going to obey to Jesus. Prions ensemble. Let's pray together.